Bonjour, je vais vous montrer comment j'ai fait un embossage à chaud avec un pochoir. Un pochoir, vous prenez un pochoir de chez Action, vous savez qu'on a eu, voilà. Ou si vous avez d'autres pochoirs comme ça, ceux-là, ils font très bien aussi. Ça aussi, ça fait, enfin bon, il n'y a pas de problème avec les pochoirs. Donc, je prends un pochoir, j'ai choisi celui-ci, un petit bout de papier, petite carte un peu épaisse. Voilà, je vais le fixer avec du scotch. Vous savez, ce scotch qui se déchire facilement et qui ne colle pas beaucoup. J'essaie d'y mettre droit à peu près. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Donc, je prends ma top boss pour l'embossage. Tout simplement, et je vais appuyer. Faut appuyer, hein. Faut pas frotter, faut pas tout simplement, mais bien appuyer fortement pour mettre de l'encre de partout. Voilà. Ensuite, je l'enlève, et maintenant je vais prendre mes poudres à embosser. Donc, je vais commencer par la verte. Tiens, je vais mettre. On va faire un truc à trois couleurs. Voilà, je vais essayer de faire trois couleurs différentes sur une même feuille. Voilà. Alors, on en met partout, mais après, on récupère bien sûr sa poudre avec la feuille. On ne perd rien. On remet dans le petit pot. Voilà. Ensuite, je vais prendre allez, du jaune, on va mettre en jaune. Je vais peut-être mettre, alors, je vais enlever un petit peu, voilà. Je vais peut-être mettre de l'autre côté, parce qu'après, ça va me faire un mélange de couleurs en jaune. Voilà. Pareil, je récupère la poudre. Voilà. Même système à chaque fois. On récupère la poudre. Rien ne se perd. Après le jaune, je vais mettre du rouge. Voilà. Et maintenant, voilà, ça donne à peu près ça, vous voyez. L'idée, voilà, faut pas, voilà, faites pas ma bêtise. Ne mettez pas les doigts dessus, sinon la poudre, elle s'en va. Voilà, j'ai fait l'habitude, bien sûr. Moi, c'est toujours comme ça. En fait, ce que je dis, parce que je fais, je récupère, voilà, ma poudre rouge. Et maintenant, avec mon heat gun, eh ben, je vais faire mon embossage. Alors là, par contre, ça va être un peu bruyant. Alors, on obtient ceci. Voilà. Hop. Et maintenant, je n'ai plus qu'à le coller sur un fond. On va le mettre ici, par exemple. Ça, je vais l'enlever parce que c'est plein de... Bah, dessous aussi, remarquez. C'est plein de poudre, là. Il y en a de partout. Voilà, on va secouer un peu. Je vais coller avec mon escargot. Je vais coller la carte. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien embossé? Oui. Je colle ma carte. Je vais la coller sur un deuxième fond. Donc je recommence avec mon escargot. Alors j'espère que je suis bien dans le champ. Hop. Bon, il n'y en a plus, je pense. Si, il y en a encore. Ils
sont pas terribles, les escargots de... Ça, c'est les escargots de chez Action, ils sont pas terribles, terribles. Il y a mieux. Hein. Je rachète, mais pas de chez Action. Voilà, je vais faire les angles surtout, voilà. Je vais coller... Ah, c'est plein de poudre sur la carte. Voilà. Ensuite, je vais mettre un sentiment que j'ai préparé à l'avance, que j'ai embossé aussi également avec mon tampon, ma poudre embossée, hein, vous savez faire. Voilà. En plus vrai que nature. Je pourrais le mettre là. Pourquoi pas. Ici. Et j'aurais pu mettre, j'ai découpé avec du doré, avec un dye, des feuillages. Bon, les feuillages, par contre, je ne vais pas les coller avec ça. Ça ne va pas le faire. Je prends mon stylo. Mon stylo colle. Non. Voilà, un petit feuillage ici. Voilà, on va en mettre un deuxième. Je pense qu'avec deux, ce sera mieux. Voilà, après, bon, ça c'est une question de déco. C'est les goûts et les couleurs, comme je dis toujours. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne juste une idée. Après, vous adaptez à vos goûts. Allez, on va mettre un deuxième. On va le mettre là, tiens, comme ça. Ah, il colle bien au doigt. Enfin, voilà. Et voilà, une petite carte avec un embossage à chaud et un pochoir. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait aussi sur du papier brillant qu'on achète des fois aussi à Action. Vous savez, ce papier métallisé un petit peu. Je trouve que l'embossage dessus ressort bien aussi. J'ai fait aussi un petit embossage, alors plus fin là, ici, mais pareil avec un pochoir, hein. C'est toujours avec un pochoir, ça aussi, un pochoir de chez Action d'ailleurs, je vais vous montrer lequel si je le trouve. J'ai pris quel pochoir, voilà, j'ai pris un pochoir comme ça, j'ai fait une bande, voilà. J'ai fait une bande là, puis j'ai embossé aussi un sentiment au milieu. Vous voyez, sur du papier comme ça, là, c'est pas mal. Du papier métallisé, violet. Je trouve que ça ressort bien aussi. Voilà, donc amusez-vous bien, comme je dis toujours, l'essentiel, c'est de s'amuser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !